Qui nous dure cette année une chaire de philosophie du langage et de l'esprit. Et la philosophie du langage et de l'esprit, telle que je la conçois, donc ça rassemble plusieurs choses, mais euh, en gros l'étude des représentations, qu'elles soient linguistiques, mentales ou même autres, et, et en général l'étude du sens ou du contenu des représentations. La notion de contenu ou de sens est très, très mystérieuse et il s'agit précisément d'essayer de l'élucider quelque peu. Et ce que je ferai cette année dans le cours euh, intitulé Dossiers mentaux, c'est aborder cette question du contenu à partir du contenu des pensées. Donc, quand on pense, on pense quelque chose, il y a un contenu, comme quand on parle, on dit quelque chose. Et c'est pas évident de dire ce que c'est que le contenu d'une pensée. Une idée qui vient naturellement à l'esprit, c'est que le contenu d'une pensée, ou que le contenu d'une représentation générale, c'est ce qu'elle représente. Dans le cas d'une pensée, si je pense que Marie aime Jean, euh, ce que je représente, c'est ce que représente ma pensée, son contenu, on pourrait dire, c'est un certain état de choses où il y a mari, agent, deux personnages avec une certaine relation entre eux. Et ça, c'est une conception qui est traditionnelle, qui voit donc le, le sens ou le contenu comme étant ce qui est représenté. Et, et bien, je ne pense pas que ce soit une conception qui soit euh, tout à fait satisfaisante parce que le contenu va au-delà de ça. Disons que ce contenu qu'on peut appeler référentiel n'épuise pas le contenu d'une pensée ou même d'un énoncé. Et on peut voir cela euh, si on pense à, à des cas où, où le, même, le même individu, par exemple, peut, on peut penser au même individu, mais de plusieurs façons différentes. Euh, je vous donne simplement un exemple. Quand, quand Émile Hajar a publié son premier livre, il a été salué par la critique comme étant un auteur extrêmement nouveau, prometteur. Euh, et, et, et ces mêmes critiques qui, qui pensaient que Hajar était quelqu'un de très prometteur pensaient aussi, certains d'entre eux en tout cas, que Romain Gary, lui, était un has-been, quelqu'un de pas du tout prometteur. Et il se trouve que c'est la même personne, à Gary. Donc là, on a un problème si on dit que le contenu de la pensée implique un individu particulier et la propriété qu'on lui attribue. Parce qu'à ce moment-là, ce serait le même contenu que si on disait ou on pensait Gary est prometteur. Or, précisément, ces critiques-là, il ne voulait pas dire ça. Donc ce n'est pas en fait le même contenu de pensée. On est forcé d'ajouter à ce niveau, disons, de contenu, qui est le niveau référentiel, un autre niveau, qui est le niveau proprement cognitif, qui est la façon dont on se représente, ce dont on parle. Et c'est là que la notion de dossier mental intervient. Dans le cas de Hajar et Gary, on va dire que les critiques avaient un dossier sur Hajar avec dedans euh, toutes les informations qu'ils possèdent sur lui. Ils avaient aussi un dossier sur Gary, avec toutes les informations qu'ils possèdent sur, le, sur Gary. Et ces deux dossiers-là se trouvent être des dossiers au sujet de la même personne. Mais évidemment, ça, ils ne le savaient pas. Et ce qui compte pour le contenu de la pensée, c'est quel dossier se trouve activé, mobilisé pour penser à un individu. Donc, cette notion de dossier mental est censée correspondre à cette chose à travers laquelle on arrive à viser des objets du monde, à penser aux objets du monde, cette chose mentale à travers laquelle on vise les objets du monde. Et mon cours, précisément, portera, enfin, entre autres choses, sur beaucoup de questions, mais dont celle-ci. Comment est-ce que. Le dossier mental détermine l'individu qui se trouve visé, ou l'objet en général qui se trouve visé, à travers le déploiement ou l'activation de ce dossier. La proposition que je fais est la suivante. On ouvre un dossier mental quand, euh, précisément, on se trouve en contact informationnel avec un objet, quand on a des informations à stocker. Le cas le plus simple, c'est la perception. Je peux voir quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, ou peut-être je, je, je me trompe sur ce que c'est, mais. Je pense quand même à cette chose parce que je la vois. Donc il y a une relation de perception qui est établie avec la chose. Et c'est ça qui fixe l'objet que concerne ma pensée. Il peut y avoir des cas où la relation, c'est quelque chose qui, qui nous échappe tout à fait. Par exemple, j'ai la capacité de penser à Aristote. C'était extraordinaire que j'ai cette capacité. Aristote est loin dans... Dans le temps, en tout cas, euh, et des gens qui savent très peu de choses sur Aristote et même des choses fausses éventuellement ont la capacité de penser Aristote simplement à travers le fait qu'ils ont le nom. Et comment est-il possible simplement par la maîtrise du nom d'être capable de, de, de penser un individu euh, C'est pas lié à la conception qu'on se fait d'Aristote. Donc c'est autre chose. Et je dis c'est une relation. Mais quelle relation la relation qui se trouve établie à travers le nom entre moi et Aristote, à travers toute la communauté linguistique qui a commencé il y a très longtemps à employer ce nom ou un ancêtre de ce nom en quelque sorte pour parler de lui et qui ce nom s'est transmis de chez nom en chez nom jusqu'à moi à travers les siècles et, et cette relation-là qui, qui est une chose qui n'est pas du tout dans ma tête qui est complètement à l'extérieur et ce qui détermine à, à, à qui l'on pense. La plupart des concepts que nous avons. Sont des concepts que nous ne maîtrisons pas vraiment. Notre représentation de, de, de ce qu'est la chose dont nous sommes capables de parler ou, ou à quoi nous sommes capables de penser, notre représentation est souvent extrêmement déficiente. Mais nous pouvons quand même penser à ces choses, même si, euh, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un quark Plein de gens qui ont le mot ne savent pas ce que c'est. Mais ils peuvent quand même y penser simplement à travers le mot. Et le mot leur donne une sorte de, de lien à la réalité dont ils parlent. Qui est médiatisé par d'autres qui en savent plus long qu'eux. Et le fait qu'on fasse partie d'une communauté linguistique est très important. Le philosophe Putnam a parlé de division sociale du travail linguistique. Il y a des gens qui savent, il y en a d'autres qui ne savent pas, mais les mots sont communs à tous. Et à travers les mots, on participe de cette communauté qui sait des choses et qui est capable de, de parler d'objets ou de penser à des objets pour lesquels nous, si nous n'avions que notre expérience individuelle, nous ne serions pas capables véritablement euh, de penser à ces choses. Mais par le fait que nous avons les mots de la communauté, nous le pouvons.